Au début du XVIIIe siècle, Jacques Stuart, héritier du trône d'Angleterre, luttait désespérément contre l'usurpateur pour reprendre le bien dont il avait été spolié. Voici l'histoire d'un de ses plus fidèles partisans, un Irlandais nommé Charles Fogham, qui traitait l'ennemi tantôt avec un gant de velours, tantôt avec un gant de fer. Chapeau, capitaine Charlie. Mais j'ai trouvé un point d'attaque. Régiment, à cheval. Quel régiment? Nous restons une douzaine. Moins il y a d'hommes, plus l'objectif est réduit. Et je voudrais bien que tu me payes les 5 schlingues que tu me dois, Patrick. Après la charge, si tu veux bien. L'ennemi m'en fera peut-être faire l'économie. Vous y êtes? Nous chargerons l'ennemi de flanc. Il aura le soleil dans les yeux quand il voudra nous canonner. En avant! Votre aide, capitaine Charlie, mais nous sommes partis du mauvais côté. La bataille reste encore à gagner. Je n'ai jamais vu de ma vie pareil enragé. Quand je pense aux heures que j'ai passées pour vous apprendre à vous tenir à cheval, aux jours que j'ai perdus pour vous apprendre à manier une épée, à toute la salive que j'ai usée pour vous convaincre de ne pas risquer votre vie dans les combats. Et faut-il que je reste au camp pendant que vous courez à l'ennemi? Ai-je moins le droit de combattre que vous ou n'importe qui dans cette armée? Et s'il me sent à moi de me faire casser la figure? Pas du tout. En outre, elle est sale, allez la laver. Et en attendant mon retour, exercez-vous au maniement de la Claymore. Grâce à vous et à votre désobéissance, il faut que je recherche mon régiment. Toi et Patrick, attendez ici. Il faut que je voie quelqu'un. Je parie les 5 schlingues que mon ami Patrick me doit que ce quelqu'un est une fille. Une fille. C'est quelqu'un qui m'est plus cher que n'importe quelle fille et qui devrait vous l'être autant qu'à moi. Que faites-vous de vos yeux? Ne voyez-vous pas la bannière de son Altesse le prince Jacques Stuart qui devrait être Jacques III, roi légitime de l'Angleterre? Wogan de Rascoffey, je suis informé par mes officiers que nous avons encore perdu une bataille. Oui, mais pas la guerre, sire. Si la guerre n'est pas perdue, loin de là, nous ne sommes plus en mesure aujourd'hui de la gagner. Nous manquons d'armes, d'hommes et d'argent. Il faut que je m'en procure. Messieurs, j'ai décidé de suspendre une lutte que nous reprendrons plus tard. Restez, Charles. Je pars pour Paris dès que l'aube sera levée. Je vous donnerai Gaydon et O'Toole. Mais ils préféreraient sans doute vous escorter à Londres à l'abri de leur lame fidèle. Un prétendant mort perd tout à fait son trône. Gaydon et O'Toole veilleront à ce que vous viviez. Et pas vous? Non, sire. Le vin est bon en France, Charles. Et les femmes y sont jolies. Nous pourrions faire beaucoup de choses là-bas.
Quand même bien moins qu'ici. Vous partez, votre cause peut mourir. Je resterai à Londres pour organiser les éléments fidèles parmi le peuple anglais. Je puis trouver un meilleur moyen de perdre un bon ami. Préférez-vous perdre votre trône? Avez-vous un homme sûr à Londres? Oui, un homme du nom de Addison. Il vend des sucreries à la taverne des Vagues. Il... Non. Non, je ne veux pas vous laisser aller. N'avez-vous pas confiance en moi? Vous avez la tête chaude, le geste prompt. Vous demandez de vous contenir, c'est demander à un cheval sauvage de traîner une charrette. Par Saint-Patrick et tous les saints d'Irlande, je m'engage à réfréner mes emportements de la manière la plus absolue. Je serai l'homme le plus effacé qui soit. Vous ne me souhaitez pas bonne chance? De tout mon cœur, Charles. Mais de la modération. Nous verrons si vous êtes homme à tenir parole dans la circonstance. Galant, par surcroît. Voilà de bonnes manières qui pourraient bien venir d'Irlande. Oui, mais pas seulement les bonnes manières. Dis-moi un peu, connaîtrais-tu un marchand de sucreries du nom de Addison? Oui, il a été arrêté ici et emprisonné pour trahison. Laissez-moi vous donner un bon conseil. En ce lieu, les ennuis vous sautent dessus comme puces sur le dos d'un chien. À moins que vous ne les cherchiez, allez boire votre pain d'ailleurs. De la bière, votre grâce? Garde-toi la face de houblon pour boire à la santé de l'Allemand Georges. Donne-moi plutôt un grog bien chaud pour boire au diable. S'il plaît à votre grâce, lisez. Avis. Tous ceux qui se seront rendus coupables de propos malséants envers la couronne, ainsi que tous ceux qui les approuveront, seront arrêtés sous l'inculpation de trahison et seront passibles d'emprisonnement ou de mort, suivant le bon plaisir de Sa Majesté, George Rex. L'aimable nouvelle que voilà pour le peuple anglais. Aimable comme le cadeau qu'on lui fit en lui donnant pour roi George de Hanovre. Ne surveille pas plus sa langue, elle lui fera perdre sa tête. Vous avez dit le duc? Le duc de Somerfield. Il vient ici quelquefois avec les partisans du prétendant qui sont assez fous pour s'en vanter. Ah, le prétendant. On nomme ainsi le roi quand il n'est pas assis sur son trône, même s'il a plus de droit que celui qui s'y est perché. À ce grand port de Georges de Hanovre, puisse-t-il voir demain se lever son dernier jour? C'est moi qui vous ai coupé la soif? La peur vous mord au ventre? Vous auriez tort. Le roi actuel d'Angleterre ne comprend que l'allemand. Debout, les cœurs valeureux! Venez boire avec moi l'avènement d'un Anglais sur le trône d'Angleterre. À la santé du roi Jacques III, de la Maison d'Histoire. Modération, Charles, modération. Votre grâce est prisonnière. Et pourquoi, je vous prie? Outrage envers la couronne. Pour être prisonnier, il faudrait que vous m'ayez pris. Et vous en êtes loin. Le diable, Charles Vaughan de Rascopé.
votre épée, au nom du roi. Vous avez en main les arguments les plus convaincants. Ma lame est moins entêtée que je ne le suis dans mes opinions. Le pauvre duc de Somerfield est blessé. Il va bientôt mourir. Joli travail avec vos bandages, messieurs médecins. J'aurais fini par croire que j'étais blessé. Les blessures sont très graves, n'est-ce pas? Oui, votre majesté. Il faudra probablement que j'en meure. De tous les hommes qui meurent pour le roi George, peu trépassent aussi confortablement, y'a? Les soldats sont de retour d'Écosse. Et ce Jacques, encore une fois, s'échappe en France. Toujours il s'échappe pour reparaître. Schweinhund. Peut-être pas cette fois, votre majesté. Vous avez des amis qui vont y veiller. Ja, Herr Herzog. Un bon ami. Un ami précieux, vous-même. Je n'oublie jamais mes amis. Je pense que mon meilleur atout est que le monde entier me croit un des plus fidèles partisans de Jacques Stuart. Et votre ennemi acharné. Que diront-ils lorsqu'ils vous verront accéder à l'emploi le plus envié du royaume? Oui. Mais cet emploi, il faudra le gagner, Herr Herzog. Je crois avoir fait un premier pas dans ce sens, votre majesté. Ja. Ja. Un excellent premier pas. Vous avez du flair pour dépister les traîtres. Nous les attrapons tous, n'est-ce pas? Bien sûr. Addison était le premier. Ce soir, j'ai pris un autre renard dans le même terrier. Votre majesté a-t-elle entendu parler de Charles Vaucan de Rascoffé? Hein? Par vocation soldat, par tempérament conspirateur, par inclination l'un des plus ardents et loyaux défenseurs de Jacques Stuart. Et bretteur redoutable. Et vous l'avez laissé vivre? Jusqu'à ce que nous n'ayons plus besoin de lui. Oh. Je veux d'abord savoir tout ce qu'il a en tête. Madame la duchesse de Somerfield. Mmh. Qu'elle entre. Je ne connais pas de meilleur moyen qu'une femme pour venir à bout des esprits les plus entêtés. Votre Majesté. Ah. Sie sind die schöne Frauen Brett. Si cela agrée à votre Majesté, je m'exprimerai en allemand. Mais depuis mon arrivée de Hanovre, je préfère parler la langue du pays. Alors, bien. Bien. Et auriez-vous fait de Frauen Brett votre épouse? Pour la circonstance, oui. Je regrette que ce ne soit que pour la circonstance. Comme mari véritable, vous seriez par trop difficile à mener. Quoi? Il n'a pas encore su vous conquérir? Si c'était moi, ce serait fait. Je ne sers la cause de votre majesté que de la façon dont on m'a demandé de la servir. Servir son roi en le renseignant est tout ce que nous pouvons demander à cette jeune personne. Vous devriez donner le résultat de votre mission, Anne. Je crois savoir que le prétendant recherche une fiancée parmi les familles royales d'Europe, alliance qui renforcerait considérablement sa position. Inutile d'ajouter qu'un tel mariage ne doit pas avoir lieu. Il me semble que le meilleur moyen pour cela serait la disparition prématurée du principal intéressé. Ja, good, good. Mais compteriez-vous sur cette délicieuse enfant pour l'assassiner? Oh, mais non, sire. Car elle n'est point faite pour de telles besognes. De plus, un assassinat trop flagrant risquerait de nous obliger à la guerre. Et les guerres coûtent très cher, je le sais par expérience. Mais Jacques, vous croyant ma femme, vous recevra sans méfiance. Et mon hôtel de Paris est là pour vous accueillir. Vous pourriez aussi être très utile à notre ami le comte de Ratzac. Notre ami? Le comte de Ratzac? Qui est-ce? Il se dit notre ami, assez pour recevoir notre argent. S'il l'est réellement, Jacques n'a plus longtemps à vivre. De Ratzac est son confident. S'il nous dupe... À vous de le découvrir. Je comprends ce que vous attendez de moi. Je partirai sur le champ. Pas encore. Il faut que vous attendiez votre compagnon de voyage, un de nos ennemis aussi acharnés que les Stuarts eux-mêmes, un Irlandais à la tête chaude. Il serait peut-être utile qu'il tombe amoureux de vous, un peu. Dû ma modestie en souffrir, aucun homme ne tombe amoureux de moi, un peu. Je m'en suis aperçu, hélas. Consentiriez-vous, pour sauvegarder les apparences, à vous rendre et rester dans ma demeure de Londres? Votre place n'est-elle pas près de votre mari? Bien sûr. Mais qu'entend au juste votre grâce par près? Assez loin, malheureusement. Puisqu'officiellement, je serai mort.
Il est d'usage d'envoyer un agent surveiller l'autre. Par qui va-t-on la faire surveiller, elle? Ce n'est pas nécessaire dans son cas. Son père a été condamné et exécuté sur l'ordre de Jacques. À présent, si votre majesté avait l'extrême amabilité de me faire jeter dans le donjon. Ya. Ya. Le donjon. Excellent moyen de s'épargner l'ennui des exécutions. Entre les rats et l'humidité, il ne peut rester beaucoup d'ouvrage pour le bourreau. Vous pourrirez en noble compagnie, celle d'un duc prêt à son roi légitime. Arthur de Somerville. Trévogan, votre grâce est-elle si mal? Plus que mal. Mourante. J'ai peu de temps et beaucoup de choses à vous dire. Écoutez-moi bien. Rien n'est plus pressé que de vous donner des soins. Laissez-moi m'envoyer un médecin par le jour. C'est inutile. Je vous supplie de m'entendre pendant que j'ai encore un souffle. Voulez-vous aider la cause d'Estoire, Vaughan? Je ne suis guère en position d'aider qui que ce soit en ce moment, votre grâce. Il faut essayer. Mon manteau, la doublure. Déchirez-la. Vite, mon ami. Faites tort, Vaughan. Vous permettra de sortir de cet enfer. Prenez-le et... Oui, oui, vous voulez que je... Évadez-vous, cet homme vous y aidera. Ma femme, emmenez-la en France. Placez-la sous la protection de Jacques. Là, elle sera sauve. Sauve. Garde! Vite! Le duc de Somerville se meurt! Ça fera un traite de moins. Et au moins la charité d'appeler un médecin, maudit chien. Un médecin ne peut rien pour lui. Qu'est-ce que vous avez là? Cette musique, l'ami, n'est-elle pas douce à ton oreille? Cette chanson ne te va-t-elle pas droit au cœur? Entre, elle t'attend. Éloignez-vous. Ouvre-moi, veux-tu? N'as-tu pas assez de patients à torturer au fond de tes cachots? Pour venir tourmenter une brave et honnête sentinelle. Pourquoi cessez-vous de chanter, capitaine Vaughan? Maintenant que j'ai tiré votre grâce de son sommeil, pourquoi continuerai-je? Je ne dormais pas. Il m'arrive de fermer les yeux, c'est parce que je revois. Il faut vous efforcer de l'oublier. Le duc n'eût pas voulu vous voir si triste. Vous êtes très compréhensif, Charles Vaughan. Il m'est plus agréable de vous entendre m'appeler ainsi que capitaine. Vous connaissiez mon prénom? Oh oui. N'est-il pas connu de tous? De tous ceux qui aiment le roi Jacques? Le roi Jacques.
hâte d'entendre ce nom prononcé à Londres. Pas à mi-voix, mais crié avec fierté. Roi Jacques. Et cela sera avant qu'il soit longtemps. Sous peu, il reprendra sa place sur le trône d'Angleterre. Comment se fait-il que certains qui se prétendent de bons et loyaux Anglais trouvent que les Stuarts sont cruels et arrogants, et qu'il est bon d'en être débarrassé? Quelques insensés, s'ils connaissaient Jacques comme je le connais. Oui. Oui, vous étiez très lié. C'est moi qui lui ai appris à se battre, qui ai veillé sur sa personne au milieu des batailles. Je donnerais ma vie pour lui. Oui. Oui, vous donneriez votre vie. Sentiriez-vous le froid? Oh, à peine. Mais vous, vous êtes trempé. Un soldat s'habitue vite à avoir le cuir mouillé et la gorge sèche. Et au danger aussi. Le danger est son lot, l'affronter fait partie de son état. On dit que les braves meurent jeunes. Trop jeunes. Je vous admire, madame, de savoir aussi bien dissimuler votre chagrin. Je vous dois un aveu, capitaine. Mon mariage était de convenance politique. L'amour n'y avait aucune part. Le duc était-il aveugle? C'était un mari. Est-ce que vous êtes marié? J'ai préféré les dangers du champ de bataille. Ils sont peut-être moindres que ceux qui vous attendent à Paris. Quel endroit est celui-là, entre le berceau et la tombe? Aucun. Raison de plus pour faire preuve de prudence. Charles Vaugard. Prenez garde à vos regards, my lady. Ils mettent aussi le bâton en péril. Dites-moi, que mettent-ils encore en péril? Je tremble, les eaux qui nous portent sont profondes et froides. Ce n'est pas l'intention de minuit. Surtout depuis que j'ai le bonheur d'être près de vous. Je boirai, mes amis, à la santé du roi Louis le XVe, dont la généreuse hospitalité en ce palais adoucit notre exil. Je suis heureux de vous retrouver à mes côtés, Charles. Et moi, de veiller à nouveau sur votre précieuse existence, sire. Qu'il me soit également permis de lever mon verre à la santé du comte de Ratzac, dont le dévouement à notre cause est digne d'éloge. Je bois également à la rayonnante beauté de la délicieuse et charmante duchesse de Somerfield, qu'un destin cruel a rendue veuve d'un de nos plus fidèles partisans et amis. Mais je ne vous ai que trop empêché de goûter la saveur des vins et des mets. C'est inutile, Charles. Je ne me sens guère faim. Je manque sans doute de discrétion. Et je ne peux pas ne pas remarquer votre tristesse. Un roi sans royaume, qui se marie pour avoir des alliés, une armée et un héritier, plus que par inclination. Vous attendiez que je devais épouser la princesse de Saxe? Les sentiments que la princesse Clémentine vous portait auraient-ils changé? Sa famille n'approuve pas ses fiançailles avec un prétendant. J'avoue que je n'ose pas l'en blâmer. Et la princesse approuve-t-elle sa famille? Je lui ai trop d'amitié pour lui poser une telle question. Garder mon esprit à la conversation avec vos regards sur moi. Il m'est difficile de garder mon esprit à ma mission avec votre nuque délicieuse sous mes regards. Votre geste est fâcheux, comte. Nous pouvions le prendre vivant. Capitaine, vous auriez voulu épargner la vie d'un homme qui a tenté de tuer votre roi? Certes non, monsieur. Mais nous aurions pu le questionner. Son pistolet a répondu à toute question, capitaine. Qu'on enlève le corps.
ce malheureux événement semble vous avoir troublé, Duchesse. Puis-je vous offrir de prendre l'air? Cet attentat maladroit peut difficilement être qualifié. Pour une espionne, Duchesse, votre ton peut lui aussi être difficilement qualifié. Veuillez ne pas oublier que c'est moi qui commande. Alors je vous déclare responsable dans mon rapport à Laurent. Ce belâtre de capitaine, s'il n'était pas intervenu... J'ai essayé de détourner son attention, mais votre homme a été d'une telle maladresse. Vous devriez engager des assassins plus expérimentés, comte. Peut-être m'aiderez-vous à les recruter. À vous revoir, Duchesse. Je suis heureux de vous trouver seule, Anne. Vous connaissez bien de Ratzak? Pas autant qu'il le voudrait. Je ne sais si c'est le luxe des palais. Assez nouveau pour un pauvre soldat. Mais j'ai peur d'être la dupe de ceux qui m'entourent. N'aurais-je plus votre confiance? J'aurai confiance en vous si vous vous éloignez de moi. Que décidez-vous? Je vous supplie de me croire. Toujours. O'Toole, quand tu seras relevé, trouve un courrier, un sûr. Il portera cette lettre que j'ai écrite hâtivement en Pologne. Mais le message ne doit être remis que dans les mains de la princesse Clémentine Sobieska. Il rapportera la réponse, je l'espère. Ce sera fait, capitaine. Que votre majesté me pardonne, j'ai été retenu. Cavenley et moi, nous nous demandons toujours qui a pu armer le bras de ce misérable. Avez-vous une idée à ce sujet? Une idée, oui, c'est elle. Ce serait... De Ratzak. Ridicule. Réfléchissez à ce que vous dites. Une telle accusation contre un homme qui est de mes amis, mais vous n'apportez aucune preuve à l'appui. Du moins, pas aujourd'hui, sire. Mais je vous la fournirai. Impossible. En dehors de l'intérêt personnel que j'ai à la question, si j'avais cette preuve, je châtirais ce traître de ma propre main. Voilà qui est parlé en roi. Votre majesté me permet-elle de me retirer? Oui. À condition que vous ne m'abandonniez pas encore une fois. Je ne faillirai point à ce devoir, sire. Quelle que puisse être la tentation. L'heure est tardive pour une visite. Notre tâche ne saurait s'embarrasser de ces contingents. De plus, croyez-vous qu'il soit utile que l'on me voie venir chez vous? Certainement pas. Je voudrais savoir exactement ce qu'il y a entre vous et le capitaine Vaughan. C'est pour moi un compagnon de voyage agréable, rien de plus. Mais est-ce qu'un compagnon de voyage a pour habitude de se montrer aussi tendre qu'il l'est avec vous? J'avais pour instruction de le rendre amoureux de moi. Oui, vous avez fort bien réussi. Mais vous enjoignez-t-elle de tomber amoureuse de lui? Je ne suis pas amoureuse de lui. J'en suis heureux, car ainsi vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je vous dise que ce capitaine irlandais me suspecte que cette suspicion est un danger, donc il doit disparaître. C'est ça, tuez-le. Tuez stupidement, sans réfléchir. Qu'importe après tout, si ce Vaughan a déjà fait part de ses soupçons à son maître, et si votre nouveau crime vient les confirmer. Comment pourrais-je être sûr de vous, ma chère Duchesse? Cette question hante mon esprit. Je dois partir. Veuillez faire savoir au duc qu'un accident fatal va arriver à Jacques et à son fidèle Vaughan par la même occasion. Et de quelle manière? Vous préviendriez le capitaine, si je vous le disais. Je ne passerai jamais ma confiance dans une femme dont le cœur bat pour un ennemi. La bonne nuit. Une simple prière. Je serais navré que vous m'obligiez à causer un accident fatal pour vous aussi.
ai-je ou n'ai-je pas reçu une lettre de vous? Vous l'avez reçue. Cette lettre disait-elle que vous quittiez Paris pour toujours? Oui, c'est ce que j'ai écrit. Et n'est-ce point vous qui êtes ici même devant mes yeux? Alors vous n'êtes pas parti. C'était un mauvais rêve, je viens de m'arrêter. Non, Charles, je pars pour l'Italie dans une heure. Si vous m'aimiez autant que je vous aime, vous resteriez. Si vous m'aimiez vraiment, vous me suivriez en Italie. Et laissez le roi? Oui, laissez le roi. J'attends. Lequel de nous deux choisissez-vous? Oh, je devine, c'est un jeu de coquette. Jusqu'où va votre pouvoir sur moi, c'est cela, hein? Eh bien, laissons de côté ces jeux futiles, Anne. Le roi a besoin de vous et de moi. Aujourd'hui, je siège avec lui au conseil. Demain, je l'accompagne à la chasse. Dites-moi que vous resterez. Dites-le-moi. Joli tableau, madame. Vous paraissez surprise, ma chère. Lorsque je vous ai fait tenir un billet pour vous dire que je vous retrouverai ici, vous ne pensiez pas m'y rencontrer, Vaillant ou Corneille. Que pensez-vous de cette œuvre d'art? Le meurtre vous est plus familier. Bon, je suis un homme aux multiples talents. Cessons de plaisanter. Quelle nouvelle de Londres? Aucune. Et votre conversation avec le capitaine? Rien d'intéressant pour nous. Le prétendant réunit le conseil aujourd'hui et demain il chasse le sanglier. La rumeur prétend que vous allez nous quitter. Elle se trompe. Est-ce tout? Puis-je prendre congé? Bien sûr. Vous mettrez cette bête au fond de la grotte. Comment croira-t-on qu'un sanglier mort ait pu tuer le prétendant? Au cours de la chasse de cet après-midi, les chiens amèneront le stuart jusqu'à cette grotte. Il y pénétrera à leur suite. Son capitaine l'accompagnera très probablement pour servir le sanglier. Venez. Sa Majesté et le capitaine Vaughan tombaient dans ce gouffre qui s'ouvre sous leurs pas. Le sanglier a dû se réfugier dans cette grotte. Donnez-moi une torche. Je tiens à le servir moi-même. Attaquer la bête dans son repère est trop dangereux, votre majesté. Je vais vous précéder. Et me gâcher ainsi mon plaisir? Jamais. Je vous ordonne de me laisser agir seul. Vaughan! Vaughan! Vaughan, la bête est déjà morte. Prenez garde, sire. Tout ceci sent fort le guet-apens. Votre majesté! Bien que c'était le gibier et non le chasseur. Oui, mes pères. Elle est assez lourde. Il est flatteur de voir sa vie estimée à un bon prix. Rentrons, capitaine Vaughan. Je ne supporterai pas plus longtemps cette atmosphère de trahison. Le tableau est prêt.
Vous avez vos instructions. Veillez à ce qu'il soit remis sans retard. Oui, monsieur le comte. Je suis extrêmement pressé. Mais moi, je ne le suis pas. Votre sauve-conduit, votre passeport. Montrez-le-moi, voulez-vous? Tenez, voilà. Et dépêchez-vous. Au voleur! Arrêtez cet homme. Il est recherché pour vol. Pour vol? Ce serait un voleur? Vous allez vous en rendre compte. Il vient de voler un tableau précieux au docteur Gasper, le célèbre collectionneur. Qu'est-ce que vous dites? Mes papiers sont en règle. Falsifié au nom du comte de Ratzak, je parie, hein? Mais monsieur le comte... Ah, le docteur Gasper lui-même sera le meilleur juge pour dire si ce tableau lui appartient ou non. Donnez-moi cette toile. Vous n'en avez pas le droit. Nous verrons ça tout à l'heure. Pour le moment, restez ici avec le veilleur jusqu'à ce que cette affaire soit éclaircie. Ah, voilà justement la voiture du docteur Gasper. Allez. Je vous ai dit que j'étais très pressé. Bien sûr, tous les voleurs le sont. Mais Anne Batté, je ne suis pas un voleur. C'est ce que nous verrons. Attendez, attendez ici. Est-ce que le bon docteur Gasper est dans la voiture, monsieur Guédon? Oui, il s'y trouve, monsieur O'Toole. Voudriez-vous me tenir ce précieux tableau, s'il vous plaît? Chardon est trop bien protégé par le trèfle. Le trèfle, emblème de l'Irlande, ça doit être nous. Ah, et le chardon, emblème de l'Écosse, c'est Jacques Stuart. Nous le protégeons trop bien, c'est un compliment flatteur pour nous. Laissez sa majesté en paix. Attends la suite. La Saxonne pourrait se marier. La belle princesse de Saxe. De Ratzak fait connaître les projets de mariage du roi afin qu'on puisse les déjouer. Ton courrier de Pologne met bien du temps à revenir. Mais c'est lui au moins celui d'arrivée, capitaine. Je serais fortement surpris si cet avis n'était pas destiné à l'homme qui mène cette affaire dans l'ombre. Bien raisonné. Et j'aurais plaisir à le connaître. Attends. Il va être facile de l'attirer ici. Venez sur place. D'urgence. Laisse-le continuer son voyage. Tu peux lui dire que le docteur Gasper lui fait cadeau de son larcin. Cela va être fait à l'instant. Mon maître, le docteur Gasper, vous fait cadeau de cette toile et vous prie d'aller vous faire pendre ailleurs le plus tôt possible. Idiot, crétin, ouvrez-moi cette grille maintenant. La grille, oui, bien sûr, monsieur, tout de suite. Allez, ouvrez. Votre maître est vraiment trop bon. Comment arriverai-je jamais à m'améliorer si on applaudit même mes tirs manqués? Le roi ne peut être maladroit. Oui, mais son arc le peut. Plus de flèches? Je crois que le roi n'a plus de flèches, Charles. Pour ce qu'il en fait, cela vaut mieux. Anne, c'est une bien longue route qu'il me faut faire pour aller chez vous. Elle vous fatigue? Énormément. Il y aurait un moyen de l'éviter. Oh, Charles, ne voyez-vous pas tout ce qui nous sépare l'un de l'autre? J'en souffre encore plus que vous. Il n'y a pas d'obstacle. Nous ne puissions vaincre ensemble. Enfin, on vous trouve depuis le temps que nous courons, capitaine. Vous auriez pu avoir la délicatesse de ne pas me trouver en un pareil moment. La nouvelle est d'importance. Le duc de Somerfield est vivant et il vient d'arriver en France. C'est impossible. Mon mari est mort en prison. Vous étiez à ses côtés. Peut-être me suis-je trompé sur son état réel. Vous êtes sûr de... Certain, il a pu s'enfuir de Londres avec l'aide d'un des nôtres. Voilà une bonne nouvelle pour notre cause, capitaine. Oui, oui, pour la cause du roi. Ceci me fait comprendre bien des choses. On m'a dit qu'il était mort en prison. Vous devez être heureusement surprise et impatiente de revoir votre époux. Où se trouve-t-il? À votre hôtel. Ça a été une chance pour le duc de s'être remis aussi vite des blessures qui mettaient sa vie en danger. Oui. Une vraie chance.
Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais c'est arrivé soudaine après l'envoi de notre message par le tableau de Ratzak. Oui, je suis de votre avis. Il y a quelque chose de louche. Il ne s'agissait pas du duc de Somerfield. L'homme qui exprimait son mépris pour Georges dans une taverne de Londres, puis qui a croisé le fer avec six des suppôts de l'usurpateur, impossible. Ne sait-on jamais, capitaine. Et si Somerfield est à la solde de l'ennemi, sa femme peut l'être aussi. Anne ? Je n'arrive pas à croire. Restez de garde ici. Si Sa Majesté me demande, dites que je suis allé bavarder un peu avec une dame. Oui, capitaine. Je désire voir la duchesse. J'ai ordre de ne laisser entrer personne. Faites exception pour l'homme qui m'a sauvé la vie. Vaughan, mon ami. Je n'aurais jamais espéré vous revoir en ce monde. Et encore moins, sans nul doute, sur le sol de France, votre grâce. J'abonde dans votre sens, mais les chats et les conspirateurs ont la vie dure, on le dit, et c'est très vrai. Entrez, Vaughan. Inutile que je vous présente, n'est-ce pas? Bon, je m'attendais à plus d'élan, cher ami, de la part de deux compagnons de voyage qui ont bravé les mers ensemble. Je n'ose croire que quelques brouilles soient survenues entre vous. J'ai eu peu l'occasion de rencontrer le capitaine à Paris. Vous y avez perdu, Vaughan. Mais j'avoue sans phare que j'en suis heureux. Et si vous aviez douté de ma parole quand je vous ai dit qu'elle était séduisante... Comment aurais-je pu douter une seconde des paroles d'un homme sur son lit de mort? Venez ici, Yann. Asseyez-vous. Ainsi de Ratzak avez-vous juste? Je ne comprends pas, monsieur. Vous n'auriez pas su refuser un baiser à cet Irlandais, m'a-t-on dit. Vous oubliez que ce faisant, je me conformais à vos ordres. Je ne l'ai pas plus oublié que vous n'avez dû oublier vous-même la mort de votre père sur l'échafaud d'Estuaire. En somme, monsieur, parce que j'ai repoussé vos avances, vous m'accusez d'avoir voulu trahir notre cause. J'ai vu vos yeux quand vous l'aviez regardé. Seul un homme épris de vous, comme je le suis, pouvait deviner à quel point vous l'aimiez. Quoi? Pas de furieuse dénégation, pas d'indignation vertueuse? Mon père est mort pour ce qu'il croyait être juste. Mais dans l'autre camp, des hommes sont morts eux aussi. Et pour la même raison. Et à présent, vous pensez que le droit est du côté d'Estuaire? Depuis que je vis avec eux, je les connais. Il m'est difficile de les haïr. Et facile de les aimer? Non, pas tellement. Pourquoi écouterai-je mon cœur? Quand il saura la vérité, je lui ferai horreur. Votre mission prend fin aujourd'hui. Vous m'envoyez fâché. Peut-être aurais-je dû venir moi-même en France et supprimer Jacques Stuart de mes propres mains. Mais c'est qu'un habile conspirateur attend de savoir quel parti a le plus de chances de l'emporter. Qu'est-ce que vous comptez faire de moi? Je vais y réfléchir. Réfléchissez également. Vous en aurez tout le temps en cette demeure. Dois-je me considérer votre prisonnière désormais? C'est à peu près cela. Le chemin s'ouvre devant vous, Ratzak. Prenez-le. Quoi? Faut-il que je me prive si vite de votre compagnie? Le roi m'a donné l'ordre de vous délivrer à un sauf-conduit. S'il n'avait tenu qu'à moi, vous auriez été pendu comme espion. Les Irlandais s'emportent très facilement. Mettez la parole au geste. Prenez garde, ils supportent mal les insultes. Moi aussi. Vous et votre prétendant, vous souviendrez un jour de ce que vous m'avez fait. Ratzak! Vous avez oublié une petite chose, Ratzak. Descendez, je vous prie. Et qu'ai-je oublié, capitaine? Je vais vous le dire. Ma mission s'arrêtait au pont. De ce côté-ci, je suis libre de mes gestes. Et vous ne pouvez plus vous placer sous la protection de mon roi. Que voulez-vous, Vaughan? La vérité.
Qui vous a envoyé à Saint-Germain? Dites-le-moi tout de suite et épargnez-moi l'ennui de vous délier la langue à coups d'épée. Assez! Défendez-vous! Qui vous a envoyé? Le duc de Somerville. Somerville, c'est lui qui dirigeait l'affaire. Et votre complice? La duchesse de Somerville. Tu oses l'insulter, misérable. C'est la vérité, je le jure. Puissiez-vous avoir une bonne santé et une longue vie. Somerville, cher ami, je remercie la Providence de vous avoir rendu à nous. Moi aussi, votre majesté, puisque c'est pour vous servir encore. Votre rétablissement nous réjouit doublement. Il nous permet de faire part d'une grande nouvelle. Une grande nouvelle, sire. Aujourd'hui est arrivé de Pologne un courrier inespéré. Il a annoncé que la famille des Sobieski consent à mon mariage avec la princesse Clémentine. Je m'en réjouis grandement. Quand partira-t-elle? En cet instant, elle traverse l'Autriche en route vers Paris. Elle sera donc ici bientôt. Pas assez à mon gré. Vraiment ravissante, votre majesté. Je pars incessamment à sa rencontre en Autriche. Vous me désapprouvez? Je serais malvenu de critiquer mon roi lorsqu'il a hâte de rejoindre la femme qu'il aime. Cependant... Allez au bout de votre pensée. Nous sommes de vieux amis. Si nul n'ignore que l'Autriche partage ses sympathies entre Georges de Hanovre et votre majesté, je tremble de vous voir courir un risque quand les destinées de l'Angleterre sont en jeu. Vous me rappelez mes responsabilités de roi et vous me demandez d'oublier mes sentiments d'homme. On peut les concilier. Envoyer quelqu'un à la rencontre de la princesse, un serviteur fidèle qui hâtera l'union. Et qui, à votre avis? Ne serais-je pas un serviteur fidèle? C'est juste. Choisissez une escorte d'honneur pour remplacer les cavaliers polonais. Vous trouverez la princesse à l'auberge du Goldenstein, à Augsbourg. Non, je connais très bien, et je vous promets de choisir des hommes aussi dévoués à la cause d'histoire que je le suis moi-même. C'est entendu. Partez sur le champ. Avec la duchesse, pour servir de dame de compagnie à la princesse. Somerville, vous pensez à tout. Est-il sage, cependant, de l'emmener? Je ne ferais pas une telle proposition à votre majesté si elle n'était pas raisonnable. La Sicile, un joyau dans la mer et le fleuron le plus beau de la couronne impériale. Que l'empereur d'Autriche pourrait perdre sans l'amitié du roi Georges. Je suis sûr de pouvoir compter sur l'aide autrichienne en cette affaire. Savez-vous que j'aurais fait un excellent diplomate? L'empereur ne mettra pas en jeu la neutralité de l'Autriche rien que pour vous faire plaisir. Sans doute, mais il peut retenir la princesse Clémentine en invoquant la sécurité de sa personne jusqu'à son transfert par mes soins dans une prison sûre et discrète, la Tour de Londres. Oui, vous êtes plein de ressources. Vous rampez sans vergogne sur les avenues du pouvoir. Et moi, dois-je être entraîné malgré moi dans cette aventure? Malgré vous, non, ce serait par force. Et la force est une maladresse. Je lui préfère la persuasion. Je vous persuaderai de m'accompagner de bonne grâce. Cette sûreté de vous-même me semble présomptueuse. Pas tellement. Réfléchissez. Si je ne pouvais vous persuader, il me faudrait vous laisser ici. Et je ne puis vous y laisser vivante. D'un autre côté, vous comprenez ce que parler veut dire. À vous de décider. C'est déjà fait. Je regretterais de perdre une femme à qui la vie promettait tant. Qu'ai-je encore à attendre d'elle? Regardez-moi. Je ferai de votre existence un enchantement de tous les jours, si vous m'y autorisiez. Je n'en suis pas très convaincu. J'avais espéré qu'un jour vous deviendriez véritablement mon épouse. Comment un homme si avisé peut-il être si naïf? Je n'ai qu'un mot à dire pour mettre fin à vos trahisons envers le roi Georges et vous mener au bourreau. Mais quand je vous imagine en Angleterre, courant libre et joyeuse à travers la campagne fleurie... Et vous, à mes côtés? Oui. Partageons votre bonheur calme et tranquille.
Vous ne reverriez plus votre bel Irlandais, mais ça ne vaudrait-il pas mieux? Pour qui? Pour vous. Et en tout cas, bien préférable à la potence à laquelle vous êtes voué. Oh, ne vous troublez pas. Certains hommes ont assez de compréhension pour admettre les choses. Je suis de ceux-là. Oui. J'ai à choisir. La corde d'histoire ou la hache des Hanovres. J'irai avec vous. J'étais tellement sûr de cette réponse que j'ai pris la liberté de faire préparer vos bagages. Notre chaise de poste nous attend dans la cour. Trop tard, capitaine Wogham. Le duc et la duchesse de Somerville ne sont plus chez eux. Ils sont partis ensemble, m'a-t-on dit. J'espérais malgré tout que Drazac avait menti à son sujet. Mais c'est fini. Comment annoncer au roi que ses deux amis étaient les traîtres? Geddon, conduis-moi au palais. Oui, capitaine. Somerville, me trahir? Et la duchesse l'y a fortement aidé. Je ne puis vous croire. Cependant la vérité, votre majesté, des traîtres de la pire espèce. J'avais confiance en elle. J'ai envoyé deux ennemis en Autriche chercher ma fiancée. Grâce à leurs soins empressés, elle n'en sortira jamais, votre majesté. À la tête de mes troupes, j'irai la délivrer de vive force. Vous avez déjà à combattre l'usurpateur. Et puis, cela prendrait du temps. Tandis que trois hommes, sire, pourraient rapidement traverser la frontière et enlever la princesse. Trois hommes? Pour enlever une princesse à un empereur? Avec votre permission, sire. Trois Irlandais. Vous trois? Savez-vous que je suis tenté d'accepter? Vaughan, croyez-vous avoir la moitié d'une chance sur mille de réussir? Trois chances, sire. Cet anneau vous fera reconnaître par la princesse. Je vous suivrai et je vous attendrai de ce côté de la frontière. La princesse vous rapportera cet anneau elle-même, je le jure. Allez, vous emportez l'espoir de votre roi. Votre destination? Augsbourg. Nous sommes venus acheter de la dentelle. Ce n'est pas l'époque des achats de dentelle. Vous avez finement deviné notre secret, capitaine. Vous comprendrez que l'on tienne à devancer ses concurrents. Somerville est passé ici et reparti. Et la princesse? Avec lui. L'escorte du duc a remplacé les gardes polonais il y a 2 heures. Ils ont pris la route de Paris. Peut-être pouvons-nous encore les rattraper? Si nos roues touchent le sol avant que ce soit fait, Geddon, je te coupe les oreilles. Entendu. Réfléchis encore. Un groupe d'Anglais à cheval escortant une berline transportant une ou deux femmes. Ils ont dû passer par ici. Ni aujourd'hui, ni hier, monsieur. Pas une berline, pas un groupe d'Anglais. Et pas même un Anglais tout seul. On les a perdus. Nous serions-nous à ce point trompés de chemin? Ils auraient pourtant dû s'arrêter ici, ne fût-ce qu'un moment. Mais je suis sûr que nous ne les avons pas dépassés. Peut-être l'ordre de l'Anglais vous a-t-il aveuglé? Vous a-t-il fermé les yeux? Est-ce que ceci pourrait vous les ouvrir? Si je pétissais que je les ai fus, monsieur, vous me les donneriez? Et d'autres encore? Alors, monsieur, il faudrait que je vous mente. Car je vous jure que je vous ai dit la vérité. Croyez-moi. Y a-t-il un autre relais entre ici et Augsbourg? Une auberge, une taverne? Non. Même plus la vieille taverne de Habsbourg. Elle est abandonnée depuis des années. Je dois dire pourtant que la nuit dernière, des soldats autrichiens y ont logé. Des Autrichiens? Oui. Une taverne abandonnée? Où?
À 3 lieues, il y a une route. Tiens. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Capitaine, vous ne croyez pas que cela pourrait être une prison toute trouvée pour une princesse royale? Oui, je pense comme vous, capitaine. C'est une idée folle. Ça vaut mieux que pas d'idée du tout. Pour quelle autre raison les Autrichiens garderaient-ils une taverne abandonnée? Et s'ils y gardent la princesse, croyez-vous qu'ils nous laisseront entrer comme ça sans rien dire? Ah, que voilà une judicieuse question. Et nous perdrons un temps précieux à trouver la réponse. Hola. Hola. Votre meilleure bière pour un officier de l'empereur, c'est l'enfer que j'ai dans le gosier. Vous ruminez quelque chose. J'ai l'impression que cet uniforme est à peu près à ma taille. Je devine votre intention et je vais faire le nécessaire pour vous l'avoir. Esclandre surtout. Toute violence nous est interdite tant que la princesse n'est pas en sûreté. Apporte-moi un autre. J'en viderai tout un baril. Viens. Ce lieutenant voudrait se faire passer pour un franc buveur. Oui, on le dirait. Si quelqu'un le faisait boire jusqu'à ce qu'il quitte son uniforme. Est-ce une question que vous posez, capitaine Wagon? C'est un ordre que je te donne, O'Toole. Bien, capitaine. Voilà un duel où les armes ne manquent pas d'agrément. Vous avez dit avoir l'enfer dans le gosier, lieutenant. Sans doute avez-vous chevauché sur des routes poussiéreuses tout le jour. Eh bien, je vais vous avouer une chose curieuse. Dès que je vous ai vu franchir le seuil, je me suis dit, O'Toole, oui, O'Toole, c'est moi, voilà un homme dont on doit s'honorer d'être l'ami. Et si votre soif est aussi grande que la mienne, vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je m'attable avec vous. Mais au contraire... M'envoyez ravi. On croirait boire de l'eau de vaisselle, c'est d'un fade. Permettez-moi une question, lieutenant. Un homme de votre qualité doit avoir goûté au whisky irlandais. Ma jolie, veux-tu nous apporter ce minuscule cruchon que j'ai débouché il y a quelques instants? Ne protestez pas, lieutenant, c'est moi qui vous traite. Goûtez d'abord, vous protesterez ensuite, ce qui m'étonnerait. C'est à la fois fort comme le vent de la mer et doux comme la rosée du matin. Regardez, ami, cette couleur. C'est un peu trouble. Trouble? C'est de la fumée de tourbe irlandaise. Et plus la fumée est épaisse, meilleur est le whisky. À votre santé et à la mémoire des saints moines d'Irlande qui ont su garder et nous transmettre la recette de ce précieux élixir et à la damnation de ceux qui font les vers si petits. Buvons. Qu'y a-t-il, lieutenant? Auriez-vous avalé de travers? Et maintenant, dites-moi franchement, avez-vous jamais de toute votre vie avaler un remède aussi efficace pour guérir la soif? Tenez, encore un. Avalez ça. Tenez. Maintenant, goûtons le whisky écossais qu'ils y sont et ils font de la même façon que la bière. Alors, boire ce whisky ou de la bière ou ce whisky, n'est-ce pas aussi inoffensif? Ceci dit, je vous demande, lieutenant, je vous demande d'homme à homme, de comparer qui de l'Écosse et de l'Irlande fait le meilleur whisky. Score. Oui, lieutenant. Savoir comparer est tout cela. Mais il faut du palais. Lieutenant. Lieutenant. Et où est-elle? Où est-ce? Lieutenant. Ah, vous êtes le lieutenant. L'ennemi était fait, monsieur. Et la situation est entre vos mains. O'Toole, tu as fait du beau travail. Il s'est dévoué jusqu'au bout et le voilà tombé victime des doigts. Et oui, par la même occasion. Une bonne nuit de sommeil et il sera sur pied. Allez, viens, pauvre ami. Puis-je vous être utile à quelque chose, monsieur? Ma foi, peut-être bien, oui. C'est une bien jolie robe, ma belle. Oh, merci, monsieur. Tiens, pour ta gentillesse. Merci. Fräulein. Tu as une bien jolie robe, ma belle.
Parker. En as-tu une autre? Ja. Va la mettre. Je t'achète celle-là. Je la veux pour ma femme. Et aussi une cape et un éventail. Mais vous me tenez beaucoup trop. Mais non, ma fille. Va, dépêche-toi. Ja, ja. Et maintenant? Oui, elle sera peut-être un peu juste, mon garçon, mais je crois quand même que tu pourras y entrer. Il a eu une minute, capitaine. J'ai fait pas mal de choses pour le service du roi Jacques, mais il m'a fublé d'une robe de servante. Ça, non, à aucun prix. Ça, je m'y refuse formellement, vous m'entendez? Jamais, jamais, dussé-je vivre 100 ans. Vous entendez, capitaine, ça, jamais. Jamais. Ah, oh, tu es délicieux en souveraine, Guédon. Surtout lorsque le rose de l'innocence vient aviver celui de tes joues. Moquez-vous, moquez-vous de moi. Ce n'est pas du tout le rose de l'innocence, c'est le sang qui me monte aux joues avec ce sacré corset. Oh, je pourrais peut-être l'enlever, j'ai les yeux qui me sortent de la tête. Ça ne se verra pas dans le noir. Oh, capitaine... Entre là-dedans, mais... beauté farouche. C'est calme par ici, sergent. Oui, monsieur. Vous avez l'air d'un homme avisé. Dites-moi, sergent, vous n'avez jamais été amoureux? Je n'ai jamais cessé de l'être. Je suis viennois. Oh, alors je peux faire appel à votre discrétion. La nuit commence, la jeune dame est délicieuse. Et le nid est ici. Une jeune dame? Dans la berline, elle doit rester inconnue. Une nouvelle conquête? Sergent, une de mes plus chères conquêtes. Lieutenant, je resterai muet comme la tombe. Prenez la porte de côté de la taverne. Vous êtes un heureux homme, sergent, et plus heureux encore que vous ne le pensez. Laissez passer. La consigne est de ne laisser passer personne. Oserais-tu arrêter l'amour? Tu dois être prussien. Je suppose que les filles sont dans la cave. Oh, jamais dans le service, monsieur. Sur mon honneur. D'ailleurs, ce serait contraire à nos consignes, la princesse, n'est-ce pas? Personne ne doit savoir. Un soldat ne pense pas, il obéit. Le colonel von Urban va venir avec son état-major. S'il vous avait surpris à tabler de la sorte, enlevez ses cartes. Cédez. Disparaissez vous-même immédiatement. Allez dans la cave, vite. Allez! De devoir quitter votre Altesse, mais je vais lui faire préparer des appartements plus en rapport avec la situation. Permettez-moi de vous souhaiter un agréable sommeil. Bien que je n'apprécie guère son climat détestable, je serais heureux de revoir l'Angleterre. Un cri, milord, et vous ne serez plus qu'un cadavre. Soyez tranquille, Logan. Je ne suis pas l'homme des héroïsmes inutiles. Et l'œil sur ces deux traîtres, Patrick. Charles. Je vais l'uniforme que je porte tant que votre Altesse peut le rire. C'est le roi Jacques qui m'envoie. Ceci doit me faire reconnaître de vous. Votre nom? Capitaine Charles Vaughan, votre Altesse. Le roi n'a pas oublié.
Dites-lui que moi non plus je n'ai pas oublié, que jamais je n'oublierai. Maintenant partez avant que vous ne soyez découvert. Votre Altesse voudrait-elle me suivre? Vous suivre? Mais où? Vers le roi. J'ai prévu votre déguisement. Il faut que j'avertisse votre Altesse. Les ennemis du roi sont prêts à tout pour empêcher ce mariage. S'ils nous rattrapent, ils pourraient tenter de vous... De me tuer. Raison de plus pour vous accompagner. Noble parole, votre Altesse. Madame m'a semblé plus belle, beaucoup plus belle qu'avant. Ah, ya. Attendons patiemment tous les trois qu'ils se soient suffisamment éloignés. Halt! Où vas-tu, Marot? Marot, dis-tu, regarde-moi un peu mieux, sombre brute. Le lieutenant, sans votre uniforme? J'ai été dépouillé par des voleurs. Damnation! Le lieutenant? Je suis le lieutenant... Non, moi je veux dire celui qui est venu ici, avec une dame qui est repartie. Avec une dame? Oui, on j'y pense maintenant. Il portait un uniforme blanc, tout semblable au vôtre. Imbécile. Allez, venez. Mais le poste, la garde. La garde? Il ne reste probablement plus rien à garder. Reste, toi. Vous êtes idiot, Geddon. Vaughan vous a abandonné ici, vous êtes perdu. Peut-être pas, Milord. Que voulez-vous dire? Quand il aura passé la frontière, toute l'Europe apprendra votre tentative d'enlèvement de la princesse. L'Autriche n'admettra pas vous avoir aidé par crainte d'une guerre avec la Pologne. Et sans l'Autriche, l'Angleterre pourrait bien revenir à Jacques Stuart. Alors, si vous touchez à ses fidèles... Fort bien raisonné, mais je ne comprends pas très bien. Vous êtes compromise dans cette affaire, tout comme votre mari. Lorsque vous reverrez Charles Vaughan, dites-lui de ma part qu'à force de l'aimer... J'ai fini par aimer la cause qu'il défendait. En voilà assez. Veuillez me pardonner, monsieur le duc, mais nous écouterons la duchesse jusqu'au bout. Somerville n'a jamais été mon mari. Dites-le aussi, avocat. J'aurais dû le lui avouer depuis longtemps. Désarmez-le. Bien joué, lieutenant. Cette femme a dit la vérité, mon pauvre ami. Mais vous ne la répéterez jamais, car votre chef ne passera pas la frontière. Gardez-le bien. Dès que nous aurons repris la princesse, nous le pendrons haut et court. À combien sommes-nous de la frontière, Cavendish? Ils devraient être ici, madame. La frontière est à une lieue, sire. Ils ne peuvent pas ne pas nous voir. À condition d'arriver ici, nous n'aurions jamais dû les laisser faire. Vaughan, Geddon, O'Toole, trois insensés. Les fous réussissent parfois là où un homme sage échouerait. C'est notre seul espoir. Non, qu'est-il arrivé, capitaine? Nous avons perdu une roue et pour réparer, croyez-vous pouvoir monter un des chevaux de la voiture? Certainement, oui. Le roi
Jacques vous attend de l'autre côté. Il vous faudra parcourir seul le reste du chemin. Mais l'autre cheval... Je reste ici jusqu'à ce que je vous ai vu franchir la frontière. Vous croyez que c'est Sam Murphy? Très probablement, si j'en juge par l'escorte qui l'accompagne. Dieu protège votre Altesse. Qu'il vous garde, vous aussi. Une fois, et votre Frogan ne vivra pas assez pour le voir. Restez ici. Légitime de Grande-Bretagne, pour commémorer le premier anniversaire de notre mariage avec la princesse Maria Clementina Sobieska et la naissance de notre fils, sommes heureux d'élever au rang de chevalier notre fidèle Charles Vaughan de Rafcoffé. Debout, Sire Charles. Sont aussi élevés au rang de chevalier nos dévoués serviteurs O'Toole et Patrick Gaydon. Debout, Sire Timothée. Debout, Sire Patrick. Et maintenant... Ah, c'est la voix du mignon petit prince que j'entends, n'est-ce pas, Sir Timothée? Et qui a besoin d'aide et de soins, si je l'ai bien compris, Sir Patrick. Nous vous demandons la permission de nous retirer, Votre Majesté. Oh, c'est une façon de parler à un bébé. Sire Charles Vaughan. Il est doux d'entendre son épouse vous appeler ainsi, Milady.